Le philosophe Michel Serres avait compris le sens de notre désarroi face au vieillissement lorsqu'il recommandait un remède imparable pour bien vieillir dans son corps et dans sa tête. Un truc et astuce, une solution de philosophe, pour une fois, une réponse. À 87 ans, Michel Serres déclarait que vieillir était un allègement. Et il classait le nombre de remèdes en trois classes, en trois axes, sur une échelle à trois marches, de la plus mauvaise à la solution la plus adéquate. Le philosophe Michel Serres avait compris le sens de notre désarroi face au vieillissement lorsqu'il recommandait un remède imparable pour bien vieillir dans son corps et dans sa tête. Un truc et astuce, une solution de philosophe, pour une fois, une réponse. À 87 ans, Michel Serres déclarait que vieillir était un allègement. Et il classait le nombre de remèdes en trois classes, en trois axes, sur une échelle à trois marches, de la plus mauvaise à la solution la plus adéquate.